Gaël Amasla commencé. Et puis dans week-end nan, nan Miami nan État Floride, c'était grande première Message Simple, une production jeune réalisateur haïtien Robinson Lovens. C'est pour ça yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment et puis jodi a dans New York et ses phases finales, ça relait argument final dans procès historique ancien président républicain Donald Trump côté que et avocat défense et procureur yo même y a essayé convaincre et jury membre. Bon, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est qui côté ou attendez et regardez en même temps vidéo La Voix de l'Amérique. Ça, quelques dans l'autre grand programme de mine actualité à nous porter pour vous, n'a pas connaître premier ministre intérimaire Patrick Boisvert adressé quelques mots sincères avec réussite pour nouveau locataire Primati. Là, n'a pas parlé de Gary Conny, il était branché pour les détails. Ancien député commune Delma, Gary Bodo Salier, courage à peuple haïtien, annoncé par membre parti politique. Bouclier encore, mes amis, à y a dansé. Et l'autre côté, tout dans dossier qui vient pour avec un dossier. Papa François lui-même lui présenter excuse lui pour parole la vulgarité utilisée pendant l'état parler des garçons Macomé. De l'autre côté dans dossier toujours qui vient pour avec dossier international la Netanyahu ou dit attaque mortel israélien ou fait dans Rafah ses résultats yon accident tragique. Bon ça plaisir l'autre nouveauté pour une édition nouvelle ça mais avant même nous entrer dans pour ça qui domine l'actualité là si la pour première fois tomber sur channel ça pas hésiter abonner pas hésiter activer cloche notification pour la mettre sur tout pour pas rater aucune prochaine vidéo n'a pas gain pour nous porter pour sur channel ça pas oublier quitter un like sur vidéo partager vidéo à toi avec un ami une famille une façon pour aider nous grandir communauté channel si là n'a pas quitter avec édition La Voix de l'Amérique là et puis devant n'a pas retourner avec reste détail pour nous souhaiter rester juste dans fin pour pas rater rien dans vidéo si là que nous porter pour jury pour yo wè si yo ta ou bien condamné ou bien acquitté ancien président. Nous allons rejoindre sous place nan, devant tribunal là. Valério Saint-Louis qui trouvait devant tribunal là pour VOA Creole. Valério Saint-Louis. Justement, Jacqueline, VOA Creole sous place en face tribunal là, côté que dernier argument et dispute qui a fait dans le procès historique contre Donald Trump a commencé matin. C'est un saillot pour Alba et pour Sikite, ensemble avec avocat défense, une dernière opportunité pour arriver à convaincre jury sous culpabilité ou soit innocence Donald Trump avant que délibération ait commencé. Même jury pour commencer le travail ça pour décider si vous avez condamné l'ancien président américain pour accusation criminelle qui a détenu contre lui pour paiement l'argent qui est associé avec un soi-disant complot pour acheter silence vedette film porno Stormy Daniels et pour enterrer ce scandale ça qui a écrasé la campagne présidentielle dans l'année 2016. Accusation principale là, c'est le remboursement de l'argent ça qui a été payé Michael Cohen, ancien avocat et ancien ami Donald Trump, pour paiement l'argent $130,000 que le débat Stormy Daniels en échange pour lui fermer bouche et pour ne pas parler publiquement et faire réclamation sous relation sexuelle avec Donald Trump. En 2006. Procureur dit que paiement ça a été by Michael Cohen, avocat Trump là à l'époque, eh bien c'était une menti, une foulaille qui a été fait passer comme dépense légale pour cacher vraie nature transaction. Donald Trump a démenti toute accusation ça. Il a plaidé non coupable pour 34 accusations pour faux dossier magouille que il a fait dans business lio. Si tu as joué coupable, eh bien si tu as joué coupable d'accusation ça, il t'a prendre sentence jusqu'à 4 années dans prison. Argument final yo supposé durer toute journée jodi a. Jusqu'à présent, il a continué en dedans tribunal là qui dès demain là. Libération jury yo supposé commencer le plus vite que demain mercredi. Pendant que le jugement criminel là contre Donald Trump a déroulé en dedans tribunal là presque arrivé dans fin li, plusieurs monde spectateurs monde qui vinn web belle merveille campé devant tribunal là. Matin, les Donald Trump arrivé dans tribunal là, nous té wè yon ti groupe partisan li yo qui té campé devant tribunal là et qui t'a prélé nous remè Donald Trump. Yo té campé devant tribunal là et les cortège machine Donald Trump là t'a privé, supporter té brandi drapeau américain et puis yo té metté képi rouge qui écrit eh ben Make America Great Again. Nous té wè marqué présence quelques membres dans famille Donald Trump yo matin dans tribunal là, parmi yo petit garçon li Donald Trump Junior, avec Eric Trump, belle fille Lara Trump, petite fille Tiffany Trump avec Marilyn Michael Boulos. L'autre monde familial, tant que madame ni, ancien première dame nan, Melania Trump, ensemble avec petite grand fille Ivanka Trump, pourquoi vinn dans tribunal là assister séance et puis supporter ancien président. Même jury yo gen un gros travail devant yo. Yo gen pour décider si yo doit condamner ancien président américain pour tout au soit une 34 crimes que yo accusé pour yo. Après conclusion discussion finale yo qui continue à dérouler dans le tribunal là, juge Juan Merchant pour passer environ une heure temps à bas jury à instruction sous loi qui concerne car la bien pour le jury yo yon plan sous ça yo capable et ça yo pas capable prendre comme décision pendant que y a bien pour évaluer si ancien président républicain est coupable ou soit innocent. Jury yo ka commencer séance délibération après plo et c'est une décision qui va déterminer avenir Donald Trump. Avocat
avocat de nation peut passer plus passer 3 heures temps et demi à présenter argument pour défendre client yo et vers 1 heure et demi comme ça yo était pour break et là dans moment yo retourner et fois ça c'est procureur qui a présenté caillou puis ta wes yo ka convaincre jury puis yo même yo capable condamner ancien président Donald Trump pour VOA Creole en face tribunal là côté que jugement historique ça a déroulé contre ancien président américain Valerio Saint-Louis depuis Manhattan. Merci Valerio Saint-Louis. Donc demain dans occasion ça encore nous n'a gagné Valerio encore cap sous place devant tribunal là pour nous capable gagner dernière information sous jugement ça sous procès ça qui ont procès historique. Actualité mené nous connait et concernant ça qui a passé dans le pays d'Haïti dans moment grand pile et parole qu'a fait sous force multinationale qui t'a doué entrer dans le pays d'Haïti et bien président Kenya lui dit VOA que conseil présidentiel transition Haïti a approuvé accord été signé avec premier ministre Ariel Henry pour voyer une force multinationale dans le pays. Nous avons Sandra Lemaire qui a des détails sur ça. Dans une interview avec VOA, président Kenya William Ruto démenti déploiement policier kenyan yo en Haïti violer loi pays a. Monsieur dit il fait tout ça tribunal demandé le fait. The deployment of our security officers to Haiti has been endorsed by cabinet. Le cabinet a approuvé déploiement officier sécurité en Haïti. Tous les deux chambres parlement ratifié. Nous répondons toutes demandes internationales et vraiment vrai, nous fait tout ça tribunal là mandé pour nous faire. Tribunal là mandé pour nous signer un accord avec Haïti pour faciliter précisément déploiement ça. Premier ministre haïtien t'a voyagé Kenya et nous t'a témoigné ensemble signature accord. Of Haiti traveled to Kenya and we witnessed jointly the signing of that agreement. Ruto dit VOA li te mande conseil présidentiel transition haïtien by consentement pour déploiement en tout. I have also asked the transition presidential council in Haiti, the new arrangement there, to ratify and to confirm. Li di mande nouveau conseil présidentiel transition Haïti pour ratifier et puis confirmer que yo reconnaît accord qui était signé entre Kenya et Haïti que ancien premier ministre là t'est témoigné et moi gagné en écrit que yo confirmé que gouvernement actuel Haïti reconnaît accord ça et c'est sous base ça que nous pral déployer troupes nous yo et puis tout en accord avec règlement Nations Unies yo avec demande ONU yo. Donc nous très clair et moi même personnellement moi clair sur ça que Kenya a satisfait toute demande légale à constitutionnelle à internationale pour faciliter déploiement force constitutional and international obligations to facilitate the deployment of this police contingent. Président Ruto t'est parlé à collègue nous dans VOA Swahili vendredi soir. Puis bonne vendredi Ruto t'est rencontré secrétaire défense États-Unis Lloyd Austin dans Pentagone. Austin t'est répété même louange président Joe Biden t'est fait pour remercier Kenya pour volonté li pour diriger force multinationale là dans moment en pilote pays pas de cas faire ça. Kenya's leadership for the multinational security support mission in Haiti shows the important role that Kenya plays in global security. Le leadership kenyan en mission support sécurité multinationale pour Haïti a montré rôle important Kenya joué dans sécurité globale là. Nous apprécions tout contribution Kenya porté dans opération la paix et stabilité Nations Unies. Et bien entendu, nous toujours reconnaissant devant Kenya pour support généreux libaye pour accueillir force américaine dans Mandé Bay. Pendant la rencontre là, Ruto te dit Austin que pays li content travaille avec États-Unis pour aider Haïti. It's time that we all show up for Haiti. L'idée est là pour tout le monde aider Haïti. Et moi, pour moi, tout, nous prenons le travail avec l'équipe pour voir qui gens nous a fait ça ensemble. Pendant la rencontre Pali avec Ruto, semaine passée, le président Joe Biden a promis support aux États-Unis pour Kenya et puis exprimer gratitude. Li. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Pendant ce temps, souterrain même dans le pays d'Haïti, Gangyo continue à simer l'intérêt et à payer. Provoqué en pile cas et assassinat dans la population civile là et nous attendons de coupes missionnaires qui mourent dans le pays d'Haïti. Et c'est même moment ça tout que l'Office de protection citoyenne demandait pour un changement dans le commandement de la police nationale là pour être capable de résoudre le problème d'insécurité. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Office de protection citoyenne, OPC, exigeait changement dans la tête police nationale d'Haïti pour capable faire face à incapacité responsable policier pour arrêter attaque gang armée. Demande ça fait suite à assassinat jeudi soir dans Lison dans la plaine de trois missionnaires, yon couple américain Nathalie Becker, Lyod ak Davy Lyod ak yon haïtien qui c'est Jude Montis. Selon OPC,
changement ça est essentiel pour éliminer gang yo dans pays d'Haïti. Dirigeant dans tête police là dépassé par situation et c'était analyste à défenseur droit moun dénoncer complicité entre autorité la police à criminel yo qui agit en toute impunité. Dans déclaration li fait OPC mandé conseil présidentiel de transition pour rétablir sécurité dans tout pays côté a déployer force multinationale appui à sécurité dans pays d'Haïti et créer conseil national sécurité. OPC mandé tout avec nouveau dirigeant politique pays pour renforcer système la justice là et mettre en place une commission justice avec vérité dans l'idée pour possible tout autre crime et assassinat qui fait dans pays d'Haïti. Depuis installation conseil présidentiel là 25 avril 2024 là gang armé yo multiplié action criminelle yo avec assassinat, enlèvement, viol femme actifi et puis tout bouler divers bâtiments publics, commissariat et poste police. Syndicat police nationale d'Haïti, Sinapoa, mandé tout pour un changement dans sommet police nationale là. Plus passé 30 commissariats, poste de police et antenne yo vandalisé et incendié depuis février 2024 bon côté bandi Améo qui regroupé sous nom Vive Ensemble selon sa OPC rappelé. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et bien, dans l'autre réaction par rapport à la situation dans le pays d'Haïti, il y a un ancien président et Jocelyn Privert qui souhaitait que le conseil présidentiel transition prenne toutes mesures qui adéquates pour résoudre le problème insécurité et puis organiser l'élection générale dans le pays pour remettre campé institution démocratique d'ici 7 février 2026. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince. On a tout ça. Ancien président Jocelyn Privert qui était dirigé le pays d'Haïti sorti 14 février 2016 pour arriver 7 février 2017. Mandé conseiller présidentiel yo pour yo prendre toute disposition pour remettre campé institution démocratique yo à partir 7 février 2026, j'en sa prévoit dans accord politique 3 avril 2024 là. Tout compatriote haïtien digne de ce nom ne peut que souhaiter que ce conseil li mesurer l'ampleur de cette crise, son impact sur la vie des millions de compatriotes et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le plus rapidement possible nous fassions ce retour indispensable à l'ordre démocratique et constitutionnel qui passe absolument par l'organisation des élections pour la remise en fonction des institutions républicaines. Ancien président privé, quoi, cependant, faut que problème insécurité à résoudre, pas seulement pour organisation élection générale, mais tout pour faciliter reprise toute activité sociopolitique et économique dans le pays, côté environ 12 millions d'habitants capables de vaquer librement à l'occupation. Nous n'avons pas besoin de sécurité pour nous faire élection seulement, nous avons besoin de restaurer la sécurité publique et la paix des rues pour permettre que les gens suspendent mourir, les gens suspendent tomber en bas balle, les gens suspendent quitter caillou pour l'habiter sur des places publiques pour que bandits suspendre, chasser moun de leur domicile. Mm. Nous besoin sécurité pour toutes ces activités et élection c'est un élément qui besoin sécurité. Mm. Et moi, pour moi c'est assez léger pour nous ta réduire la question sécuritaire uniquement à la question électorale. Mm. C'est beaucoup plus que ça. Mm. Le nombre de compatriotes qui fuient le pays, le nombre de compatriotes qui a couru quitter le pays, le nombre de compatriotes, d'investisseurs qui ont fermé business, qui ont ruiné l'aéroport, les ports, nous besoin de sécurité pour toute activité. Ça reprend les administrations publiques, les services à la population, la salubrité publique, le nettoyage des rues. Nous besoin de sécurité pour nous rétablir toute activité. Ça. Nous allons venir avec plus de détails par rapport à qui ont parlé sous pays d'Haïti entre VOA Creole et ancien président d'Haïti. Jocelyn Privert, où est-ce que c'est pour VOA Creole, Port-au-Prince. Voilà, c'était Renan Toussaint qui était gagné une interview avec ancien président Jocelyn Privert ou sur VOA Creole, ou suivre un programme dans la Creole haïtien. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer ou faire le bon choix. Et qu'on y a nouvelle dans l'actualité internationale à côté que la Norvège, l'Irlande et l'Espagne reconnaissent officiellement la Palestine comme un État et Israël considère la décision ça tant qu'il y a une récompense que le groupe et que considère comme groupe terroriste que les
Hamas. Jean-Robert Philippe dit nous, eh ben les mêmes États-Unis, États-Unis dit les mêmes, ils ont décision qu'on s'est fait pour prendre en concertation avec deux pays, en parlant de deux États qui t'a doué vivre ensemble, c'est ça, en pile, on parlait d'une solution, deux États, Jean-Robert Philippe. Oui, effectivement, j'en dis, Harry, mais son décision que, qui n'a pas fait Israël plaisir du tout, il n'a pas marché dans le sentiment Israël, mais pour la Norvège, Irlande avec l'Espagne, bien, même je crois que c'est la meilleure décision que vous prenez et que son décision est capable de déboucher sur un cessez-le-feu ou la paix dans la région, parce que et avec deux États parisiens, mais États-Unis, lui-même, il a toujours dit qu'il faut que ces négociations soient faites entre deux pays d'abord pour un État palestinien, même les États-Unis, il dit par contre, un État palestinien. Et mais ce sont des décisions qui ont fait chemin. Entre-temps, Israël continue à mener opération dans Rafah, qui est situé dans le sud du territoire Gaza. Se trata de una decisión histórica. Que tiene un único objetivo. Pour les ministres espagnols, Pedro Sánchez a déclaré reconnaître Palestine comme un État, ce n'est pas une décision. Il prend contre personne, moins contre Israël, que nous respectons. Chef gouvernement espagnol a ajouté décision à prendre ensemble avec Irlande et Norvège, pendant que l'Irlande est militant à Massio. Décision voulait dire que l'Espagne a ajouté non sous liste plus passé 40 pays qui déjà reconnaissent Palestine comme un État. Responsable a ajouté pour gagner la paix à l'avenir, il est nécessaire pour gagner un État palestinien qui vivent côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité. Palestiniens dans la ville Ramallah qui en bas attaque l'armée israélienne malgré un tribunal ONU mandé suspendre l'opération militaire la menée dans la ville là qui dans sud territoire Gaza, eh bien, ils battent bravo pour décision trois pays européens. Résident en cours employé municipal Kader Al-Fouk déclaré c'est vraiment une joie pour l'État palestinien reconnaître dans le niveau international. Nous espérons plus de pays à reconnaître nous comme un État pour nous gagner indépendance nous et puis tout droit nous gagner. Madrid, Dublin avec Oslo déclaré qu'il pourrait accélérer les efforts pour joindre un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël avec Hamas dans le territoire Gaza. Trois pays ont fait connaître, ont espéré une décision pour pousser l'autre pays à agir dans le même sens. Autorité palestinienne a accueilli une décision Norvège, Espagne avec Irlande prend pour reconnaître Palestine comme un État. Parlement d'Amakla, à côté de rejeté une proposition quatre parties de gauche de fait et qui était visée reconnaître Palestine comme un État, malgré espoir autorité. Vote final là, c'est 21 en faveur, 83 voix contre et puis 106 abstentions. Israël condamné décision trois pays européens prend pour reconnaître Palestine comme un État. Porte-parole du gouvernement israélien David Mentzer déclaré Ireland, Norway and Spain are telling Hamas in a loud and clear voice that Irlande, Norvège, Espagne déclaré bien fort by Hamas l'inormal. Action été posée cet octobre passé. Il a déclaré par les Palestiniens éduquer les Timonio sous terroristes et puis refuser d'accepter l'État juif par résultat. Pas aucun chit à parler pour bâtir un pont cohabitation pour mettre le monde ensemble. Non. Par sa pièce. Pays ça a encouragé et puis fait guerre durer plus conflit, plus sang à couler aussi simple. Israël pas fait silence face à pays qui a miné souveraineté et puis mette en danger sécurité. Non. Déclaration porte-parole gouvernement israélien. Président Joe Biden déclaré qu'il y a palestinien deux résultats de négociation, pas une reconnaissance unilatérale, d'après déclaration de la Maison Blanche faite semaine passée. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis, on a nous gagné une mise à jour sur la guerre Israël-Hamas. Là, côté gentil Augustin Junior, fait nous connaître que eh bien, des dizaines de civils palestiniens mourus et blessés dans une attaque de l'armée Israël dans Rafah, en pile réaction qui sortit à travers le monde. Gentil Augustin. Dimanche 26 mai 2024, là, dans Aswe, une attaque aérienne de l'armée Israël a été lancée. C'est la cause d'un gros diffé qui a touché plusieurs dizaines de monde dans un camp en battant dans la ville Rafah, dans Gaza. D'après sa rapport, il a dit hier lundi 27 mai 2024. Là. De Rafah, qui va peiner nous? Dans Rafah, nous déjà évacué environ 1 million moun ki pa combattant. Et malgré tout effort nous pour ne pas faire moun ki pa combattant yo mal, malheureusement, gen yon bagay mal ki passé. N'a mené enquête sous incident et puis n'a tiré conclusion parce que c'est politique nous. Premier ministre israélien yan, Benjamin Netanyahu te dit que attaque la pas fait avec intention pour touyer civil yo. Attaque la te provoqué réaction bon côté leader mondial yo. Ki kounye ya a mandé pour appliquer yon décision pi gwo tribunal dans les Nations Unies en te prend vendredi 24 mai 2024 là qui te by Lord pour l'armée Israël là suspendre attaque li nan Rafah. Ministre Affaires étrangères Almay là mandé pour respecter décision tribunal là et li te déclaré I condemn this. Moi condamné ça passé ya nan terme qui pi fort possible.
Pour chef agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo, Philippe Lazzarini, pas gen aucun côté qui en sécurité dans Gaza. I cannot comment. Moi pas ka fait commentaire sous pet yo parce que nous pas capable communiquer bien ak équipe nou qui sous terrain. Moi te wè image yo. Yo troublant sérieusement et puis yo terrible. Moi pense que nous te clair plus passé yon fois. Pas gen aucun espace qui en sécurité dans Gaza. Yon palestinien dans Gaza tap crié pour celle qui mouri dans attaque l'armée Israël là. Marili, ak sa ki nan vant liyan, li te sel nou te genyen. Epi, li ale, Avi Ayman, porte-parole Direction Nationale Diplomatique Publique te déclaré. Yesterday, Hamas terrorists fired 8 rockets from Rafah. Hier, terroriste Hamas yo te tire 8 rockets sorti nan Rafah nan direction centrale l'armée Israël la. Si Iron Dome pas bloqué yo, yo te capable la cause gros accident. Pendant troupe force défense Israël la t'a approché, Hamas te tire roquette yo sorti en dans population civile là, entre yon mosquée ak yon l'école. Ça c'est méthode Hamas utilisé pour mener activité terroriste li en bas couverti propre population civile là, contre civil état Israël là. Yon double crime la guerre. Premier rapport sous dife nan Rafah qui te touye plusieurs dizaines civils dimanche 26 mai 2024 là, si géré dife a te commencé après yon attaque israélien qui te visé des militants Hamas nan site Band Gaza. Attaque la te fait nan quartier Tel al-Sultan. Côté plusieurs milliers moun te prend refuge après force israélien yo te commencé yon offensive terrain sous bon soleil levé nan Rafah, ça gen plus passé 2 semaines. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil et ça avec les reportages là qu'on a bouclé et actualité dans la région Moyen-Orient. Nous prenons parler de cinéma. Jeune réalisateur haïtien Robinson Lovens organisé week-end ça dans Miami, État Floride. Grande première, nouveau film qui relève Message Saint, concours métrage qui rassemble divers gros acteurs, producteurs et réalisateurs dans Caraïbes là. Luxon Saint-Ville de présent. Personnalité dans plusieurs secteurs en Floride à l'autre État aux États-Unis, te répondre présent dans Silver Spot Cinema dans Key Miami pour devine assister à grande première film ça. Photo, échange, retrouvailles, red carpet là t'es animé avant même film n'a commencé. Après environ 2 heures de temps, c'est là pour participants qui rentrer dans la salle pour regarder Message Saint, film ça qui c'est un court-métrage qui durait seulement 35 minutes. Robinson Lovens, réalisateur principal film nan, a dit nous qui ça qui caché des histoires ça. C'est le meilleur titre nous t'ai choisi parce que il vient en métaphore dans histoire là. Pendant cette histoire là, si on suivre, parler bah histoire film nan, mais et madame Marion t'a conduit la texte malheureux ville. Et nous aussi l'autre message qui fait dans film là encore en pile fois on a une relation avec un monde au fond dans la rue des fois soit chercher à connaître dans la cave, ça sont l'autre message encore. Après au film garder film nan, participant yo chaque sorti a propre leçon pa yo. Et fait propre observation yo. Et mais surtout narrative non, mais storytelling non, façon que histoire la flow, lui permet que nous même comme dans audience nous vraiment capter l'essentiel. Je suis vraiment content pour me dire là et puis me pas déçu du tout parce que j'aime regarder movie, image là bon, histoire bon, son bon, son bagage me dit c'est félicitations et c'est ça nous voulons plus dans communauté. Ça moi même dans movie hein. Ouais ça dans mon là, c'est pour lier. Pas chercher l'autre côté, c'est pour lier. Bal valeur. Les villes, caressez-le, valetitons. C'est ça, moi, mais dans mon vie. Je pense que c'est un message que je prends pour la vie. Je pense que nous-mêmes qui pouvons regarder, c'est bon pour nous tous. Fais-moi confiance, nous ne mettons pas 4 ans. Même si je n'ai pas 4 ans. Soit moi-même détendu, je ne viens pas, je n'ai pas besoin de la soupe. Message Saint, il y a un film qui rassemblait divers acteurs, producteurs et réalisateurs caraïbéens qui habitaient participer dans un gros projet dans l'industrie cinéma. À travers film ça, qui c'est la première collaboration qui fait dans le film Communauté Caraïbe là, initiateur ou te voulez lancer un message. So, projet ça a un message by le monde ou bien on dit by Hollywood, Bollywood, Nollywood, que nous même dans Caraïbes là nous ka créer un film communauté tout même parce que nous gen monde, c'est juste nous pas gen unité. Message Saint fait dans objectif pour aller représenter communauté Caraïbes là dans tout gros festival film qui gen dans monde là. Depuis Miami, l'État Floride. Luc Saint-Ville pour VOA Creole. When did you tell me that? Can I tell you? Donc voilà, Message Saint, donc c'est une production jeune réalisateur haïtien, Robinson Lovens, qui était organisé week-end ça, grande première yo, et donc c'est pour nous suivre, et en pile monde demandé, c'est pour nous bailler valeur, ak, et réalisation qui a sorti dans la production haïtienne yo, donc nous t'es content, gagné, et grande.
L'autre information que nous portons pour vous, nous allons dans le dossier ancien député commune Delma, n'a parlé de Gary Bodo. Mais Gary Bodo lui-même qui s'allie courage à peuple haïtien et puis tout lui annoncé qu'il n'a pas membre parti politique bouclier encore. Qui donc lui fait quoi? Lui engagé pour bien-être population. Qui donc a dossier bouclier lui-même lui mettait à terre, n'a parlé de ancien magistrat Delma lui-même qui crasait, ont quitté ça dans dossier bouclier. De l'autre côté, pour dossier premier ministre par intérimaire, on a parlé de monsieur Patrick Boisvert. Et bien lui-même lui a adressé quelques mots sincères avec réussite pour nouveau locataire primatire là qui donc monsieur le premier ministre il était remplacé PM Ariel Henry pendant qu'il était quitté pays. Et bien pourquoi il est là lui-même tout qui déjà remettre pouvoir là, et bien pourquoi il est là vraiment pas qu'il jouer le premier ministre par intérim, il te connait là quoi. Et bien lui-même lui déjà souhaité, et bien Gary Conille lui-même lui souhaité nouveau premier ministre là qui pral connait comment pour capable agir face à défi capitaine lui dans moment ça là, dans moment pays d'Haïti il vraiment difficile. Et bien Gary Conille lui-même c'est lui-même qui pral prend. Eh bien, konnan, eh bien, en parlant de Gary Conille, Frite Gérald Chevalier lui-même en tant que président parti Action Patriotique, moi félicité conseil présidentiel transition qui fait choix de Dr. Gary Conille comme nouveau premier ministre Haïti. Nous souhaitons nouveau PM nan qui c'est Dr. Gary Conille succès dans tête ensemble pour stabiliser pays à combattre insécurité à la richesse. Et bien pour peuple là lui-même li capable râler un souffle en bas misère. Si ça lui-même Fritz Gérald Chevalier lui-même il t'a pral fait connait. Et bien c'est Action Patriotique qui félicite Gary Conille pour lui-même li vinn gagner ou bien nouveau job ça comme premier ministre pays d'Haïti malgré il était déjà gagné une fois déjà, mais lui-même il regagne encore. Maître Caleb Jean-Baptiste lui-même tout le monde connaît et bien qui fait partie des avocats, et bien il s'est menté, il pral sous terrain parce que monsieur pas ca vinn bay peuple Gary Conille qui mélange avec un paquet à tout fait pour venir craser pays à selon sa mettre Caleb fait connait bagay yo pral difficile en pile. Même Jean Moïse Jean Charles avec tout collègue Michel André, et bien le même qui était capable de bagay yo pral difficile dans jour là selon mettre Caleb. Et bien lui même li pap kite nèg yo venir craser pays al pral mettre pied la tête bagay yo pas facile du tout dans jour k'ap vinn là pour nèg sa yo même yo diriger plus passé 100 professeurs à ka travaille sous examen officiel 9e année yo dans notre public que ministère éducation nationale avec la formation professionnelle mette de yo ayema du 28 mai 2024 là à travers direction éducation classe fondamentale yo qui se def. Et bien li organisé yon atelier de travail qui a fini 30 mai qui a vini là dans commune Delma. C'est ça li même la dire 3 jours travail et bien qui te rassemblé plusieurs développer, superviser, correcter et puis opérateur cap rentrer texte examen pour élève cap gain pour préparer pour participer dans test officiel 9e année fondamentale yo avec ça yo même tout qui dans centre éducation pour famille n'a parlé de CEF. Selon Kendi Nicolas qui c'est directeur éducation classe fondamentale yo def année ça scolaire 2023-2024 là la paraît difficile dans ça qui gain pour avec temps apprentissage aussi tout dans région métropolitaine nan, avec dans quelques communes n'a parlé dans département la Tibonite là. C'est peut-être ça l'important pour nous ensemble avec technicien ça yo même qui plus souvent habitué avec dossier développer texte examen et bien qui yo même yo capable prendre en considération ça qui a un rapport avec instruction éligible réalité l'école là. Et puis dans même temps ça tout proposer texte dans examen qui important avec standardisé pendant yo même y a satisfait principe qui déjà fixé comme objectif pour ça en général. Pourquoi il là nous déjà connaît élève qui dans zone commune nous sont cité là qui pas passé l'école là bien dans moment c'est petit calme moi ça gagne pas mettre pied même. Et bien en plus de ça coordonnateur centre éducation lui-même à qualité qui t'est mené inauguration
travail là n'a parlé de Joseph Adjoba Maurice lui-même était sali harmonie ça lui-même qui était constaté dans cadre opération qui lié à examen l'état aussi tout dans contexte difficile ça et mais c'est ça lui-même lui ajouté dans notre si là il continuer pour faire connait en plus examen lui-même qui là pour bailler accès avec diplôme militaire lui ouais élève tout cap apprendre développer une latre compétence solide cap servir dans la vie. De l'autre côté à travers approche ça ministère éducation nationale avec formation professionnelle livré assurer tout monde qui impliqué dans chaîne travail ça et bien gagne une seule orientation clair avec direct sur ça même qui pral fait dans ça qui gagne pour avec développer texte examen ça même qui doit fait là et malgré considération dans tout détail embrasser programme là et bien dans inspection générale ministère qui établit colli dans miso et bien gain 11 superviseur gain 54 développeur gain 11 correcteur gain 11 secrétaire avec environ 15 exécutifs def et bien qui impliqué dans séance travail harmonisation ça lui-même qui très important dans processus de développement texte examen yo selon ça ministère éducation nationale ajouté dans note ça pour finir directeur éducation classe fondamentale yo dit li espérer dans bout activité ça production eux-mêmes yon modèle texte examen pour chaque discipline qui fait partie quatre nouveaux disciplines yo tankou éducation pour technologie avec activité productif étape éducation esthétique avec artistique qui c'est EEA éducation physique avec sport et même qui c'est EPS et puis éducation citoyenne T et C modèle examen ça même y a disponible sur site web ministère qui c'est www.mes.gouv.ht mais tout yo même yo pral mete yo à travers un autre moyen disponible pour tout élève yo même yo capable prendre examen avant ça comme échantillon yo pral proposer pourquoi li la l'école la obligé à faire en ligne examen yo obligé fait en ligne tout yo façon pour élève yo pas perdre année l'école ça là qui déjà paraît yo année qui vraiment difficile l'en connaît qui ça pays la passer si tout n'a Port-au-Prince dans département la Tibonite là tout majorité l'école yo vinn obligé tourner refuge pour moun rete moun ki kouri kite la caillou pour gang et bien réseau national k'ap défendre droit moun te déjà parlé de ça et bien l'école là qui parle élève yo pas perdre examen yo obligé mettre sur route pour yo capable faire kouyo en ligne et en façon pour élève yo même yo capable pas perdre année l'école si là qui déjà paraît difficile. Trois soldats israéliens tombés dans Rafah bagala pas prêté la mais Israël là même li dit Yone jodi mercredi ya la 29 novembre 2024 la trois soldats li tombé dans ville Rafah dans Sida Gaza côté résident yo rapporté nouveau attaque israélien yo et Hamas a dit li même li tiré roquette li sous force Israël yo et ben dernier attaque yo fait pendant fédéral international la Croix Rouge avec la société croissant au jeu même yo dit faut gagner yon camp pour la bataille là elle même qui a déroulé dans Gaza et que groupe humanité yo même yo doit tout 40 rue pour porter aide bay palestinien et ben qui dans gros besoin après presque 8 mois dans la guerre ça que Israël li pas décidé camper en pile par les fêtes là et ben États-Unis li même li exprimer gros inquiétude li a dit à qui sont passé là à cause de ça qui semblait une frappe israélien qui était faite dans dimanche et bien qui t'a touché pour petit 45 palestiniens et bien qui prend abri tout dans un camp réfugié dans Rafah et puis gagné dans frappe ça tout blessé environ 200 autres monde États-Unis dit li exhorter Israël pour lui mener une enquête totale sur ça qui donc premier ministre israélien qui c'est Netanyahu qui déjà a passé mauvais moment là selon information côté tribunal international qui pour avec dossier crime de a lancé mandat de yel et bien li pa décidé camper et mais ça yo même yo kase ken nou c'est sa porte-parole département d'état américain a parlé de Matteo Miller li même li dit journaliste yo sous dossier qui gen pour avec un dossier attaque que Israël li même la fait dans Rafah qui pas suspend na détruit la vie chrétien vivant qui trouvé yo dans zone ça pourquoi li la Israël pa décidé camper offensif yo mais ça qui gen pour avec moun k'ap pèdi la vie yo et bien li même yo en pile et 8 mois passé déjà depuis que ça a éclaté dans rapport des palestiniens qui étaient attaqués malgré ont été attaqués ou capable penser à conséquences qui
capable gagner dans bataille ça et bien bataille là gessal pour chambre camper Israël continue à frapper malgré ça tout dans ça qui est pour avec guerre là aussi Ukraine elle-même qui déjà gagné plus passé de l'année là depuis la frappe qui donc monde là il continue bouleverser dans dossier qui est pour avec un dossier la guerre jeudi matin là dossier commerce dans pays Afrique et bien matin mercredi 29 mai 2024 là la France annoncé li pral recevoir un premier cargaison pétrole là cap sorti dans pays Niger cargaison ça lui même cap débarquer dans site de pays a pour en pile moun et bien c'est une grosse victoire pour Niger puisque la France a pas de compte acheter pétrole là dans pays a avant commandant président n'a parlé Abdourahman lui même qui c'est Tchani et bien il était prend tête pays ça après un coup d'état lui même il était bail président Mohamed Bazoumi dans date qui était 26 et 28 juillet 2023 qui était passé là n'a pas rappelé et bien Mohamed qui était sous pouvoir pour un pile monde c'était monde qui t'a collé monde avec pays de la France qui était grand pile détail et bien coup d'état ça t'a pral bail bien rapide de côté Abdourahman lui-même li qui était Abdourahman Tchini lui-même il était prêt tête pays après un coup d'état ça il était bailler président pourquoi il la pays ça l'a dirigé par militaire même j'en tout nous capable dit pour pays tant que Burkina Faso qui gagne en tête li Ibrahim Traoré pourquoi il qui fait joindre un mandat pour faire 5 ans encore en tête pays ça qui va le faire c'est en 2029 mandat va le fini et même 2029 là tout ligue possibilité pour lui-même li capable candidat pour ta vienne président pays donc pays ça même cap suivre dossier révolution là n'a constaté révolution qui t'ai gagné et bien dans dossier n'a parlé de Sankara li même Thomas Sankara qui t'a mené révolution ça nèg yo t'ai assassiné et bien même pays ça là yon bon temps après Ibrahim Traoré li kembezev là la continue fait travail la pape François présenté excuse li pour parole la ville gè li même li t'ai utilisé pendant le t'a parlé des garçons Macomé yo pape François présenté excuse li après yo t'ai cité yon parole la ville gè li même qui t'ai servi pendant li t'a parlé sous garçon Macomé yo et bien pour réaffirmer indiction l'église catholique contre prêtre qui homosexuel yo porte-parole Vatican lui-même qui c'est Matteo Wini publié une déclaration hier mardi à la côté li admettre que François lui-même li te dit ça dans la presse côté yo rapporté déclaration lui-même pape François te fait déclaration ça c'est pendant yon rencontre privé avec évêque italien yo 20 mai 2024 là qui s'est passé et bien la presse italienne cité parole la plaisir foi et bien évêque italien yo que même qui pas identifié qui rapport que pape François lui-même li t'a pas blagué avec yo et bien lui-même li servi ak parole la pède et bien en langue italien pendant rencontre si là pape la lui-même t'est servi ak parole sa yo pour réaffirmer indiction Vatican contre permission pour garçon Macomé rentrer dans séminaire yo et bien et puis pour venir prêtre pourquoi il la garçon Macomé ça nous pas marqué dans monde là et bien pape la s'il t'est fait un bagage bien rapide il déjà retourné sous décision si là et bien premier ministre Netanyahu avant même dossier attaque ça t'est fait il dit attaque en motel Israël dans Rafah c'est résultat d'un accident tragique et bien Tel Aviv Israël selon journal AP premier ministre israélien lui-même qui c'est Benjamin Netanyahu attaqué et bien Israël lui-même il a fait dans ville Gaza qui mettait du feu dans un camp réfugié côté monde qui était déplacé lui-même il t'a prendre refuge et bien c'était un accident tragique d'après chiffre autorité locale yo baye et bien 45 monde qui perdit la vie yo dans attaque là ça vient ajouter sous gros critique internationale là et Israël lui-même l'a fait face à sous la guerre contre Hamas Netanyahu pata élaboré sous erreur ça côté il t'ai fait au commencement l'armée Israël là lui-même il t'ai dit qu'il t'ai fait une attaque aérienne précise sur une position Hamas et il dit il t'ai tué des anciens militants et bien pourquoi il a dossier lui-même il continue à changer phase parce que c'est pas seulement des anciens qui tombent parce que lui-même l'armée a dit il ouvrit une enquête sur la mort civile tout le compte comment détailler lui dans dossier qui vient pour avec un dossier la guerre c'est là qui passe suspendre et bien entre Israël avec palestinien qui trouve une zone si là de l'autre côté dans dossier qui vient pour avec un football tout le monde qui connaît dossier football contre Mbappé et PSG Paris Saint-Germain
lui-même l'état qui est environ 80 millions d'euros et bien n'amène la pour lui pas quitter Mbappé aller gratis c'est Paris Saint-Germain lui-même à Kylian Mbappé n'a gros discussion à travers avocat yo sous équivalent n'enquête qui te gagne 80 millions d'euros que yo même yo te kembe nan men yo pour jouer a et bien pas club là lui-même avec argument ça qui yo satisfait engagement yo même pour pas quitter et bien Mbappé aller gratis d'après journal l'équipe et bien journal sportif là lui même expliquer ça jeudi mercredi 29 mai 2024 la République hier jour avocat des partis y a discuté sous dossier ça une façon pour pas quitter Mbappé lui même l'aller gratis en pile information fait connait et bien pour essayer forcer club là lui même l'état payer ça aller avril ou soit un bonus qui était planifié dans mois février qui s'est passé là et bien d'après une source qui prend entité parisienne eux même cité par l'équipe et bien représentant une économie de 80 millions d'arrêt dans mais l'information fait connait Mbappé lui-même l'état va jouer dans l'équipe Real Madrid la saison qui vient là mais toujours Mbappé était un joueur qui libre après contrat qui prend fin là à partir du 1er juin qui vient là l'a capable aller dans l'équipe livré mais pourquoi il a une grosse discussion dans club Paris Saint-Germain pour dossier l'argent qui eux-mêmes ils taquent pour jouer à pour une façon pour pas perdre ni sac ni cap pour t'empêcher jouer ça lui-même là jouer dans une autre équipe 100% gratis et donc Jean libre là depuis pas tagué aucun accord lui-même il est déjà libre à partir des premiers jours capable signer avec club qui fait logique. Donc c'est là que nous mettons fin dans la vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça partager vidéo avec vos amis vos familles une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passée pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.